méga calamar là. Et puis alors une plâtrie de spaghettis aux fruits de mer comme jamais vu. Et puis ici, un magnifique. Charge de la ventilation du deuxième frigo avec la crasse bien partout. Celui-là est un peu difficile d'accès, donc si on regarde l'évaporateur hein, bourré, et là j'ai l'autre ventilateur. Allez, dégrubé. Voilà, ça vient beau propre. Donc il y a deux ventilateurs, donc attention à la petite flèche là, pour que ça tourne dans le bon sens. Donc, je dirais que c'est une petite maintenance à faire dépoussiérer tous les deux ans, si on utilise. Et tout est remonté, tout est en place. On va profiter de faire l'adjonction d'une petite prise USB là-dedans. Quand on a une tablette ou quelque chose sur la table, venir la brancher. Là aujourd'hui, mercredi, petite promenade ici. Jusqu'à la petite plage là-bas. Et ici, un bateau contre le mur, et puis un catin, nous, et puis un bateau français tout là-bas. Voilà le test anti-guêpe avec le café qui brûle. On a mis ça dans un petit pot avec de l'eau. De temps en temps, il faut remuer, mais voilà. Donc, les guêpes viennent quand même. Elles viennent niffler la fumée et après elles repartent. Voilà. Mais ça ne les maintient pas à 3-4 mètres, ça c'est sûr. Hein. Voilà, ce soir Moussaka. Bravo à ma louloute qui a passé du temps en cuisine par passer 30 degrés avec le four en route et tout. Je suis un homme gâté. Voilà, départ de ce joli endroit. On est resté 5 jours. Après, comme c'est un bassin très fermé, l'eau elle n'est pas trop engageante pour se baigner. On va descendre un peu au sud, planifier 5000 de naves sur une petite île qui s'appelle Trompetta. Je sais plus. C'est 9h moins tard, une bonne petite trouille. Et on part ce lieu avec 5000 vents. On dirait la tête du sphinx. Peu hein, avec l'imagination. Un sac en plastique ou je sais pas quoi, on va y récupérer. Voilà, on arrive sur l'île de Trompetta. On va aller mouiller par là. Si on regarde, on est parti de ce petit coin là. Ça fait 6000 de naves. Passer entre les deux îles, c'est pas facile de planquer une pastèque quand le bateau il roule.
gauche. Ça a l'air charmant. Et là, il y a vraiment un bateau qui part. Magnifique bateau. Et là, c'est positionné pas mal au fond de la baie, mais de là, il y a de la houle qui rentre. Donc, on va se mettre un peu en arrière. Là, 11 août, 10h30. Nous voici au mouillage sur la petite île de Trompetto, dans une baie au sud-est. Ah, le bruit que vous entendez, c'est le dessalinateur qu'on a remis en route après 26 jours. On a fait une consommation moyenne de 16 litres par jour. Il nous reste 90 litres au rab. C'est parti, mon kiki. Alors, on va finir de tailler la coque. D'accord. Alors, bye. Ici sur l'île de Trompetta, on a du vent d'ouest. Alors, malgré qu'on soit derrière cette île et ce petit îlot là, la houle arrive à pénétrer. Donc, les bateaux qui sont là se font bien secouer. Ici, on est relativement tranquille, mais on a quand même mis une amarre à terre pour nous tirer dans l'axe de la houle. Voilà, samedi. 13 août, départ de Trompetto, et on va longer la côte est de Simi, aller dans la baie de Pedi, avant que les bateaux de location débarquent. Là c'est parti avec un 15 nœuds de vent. Sur Génois seul. Nous sommes partis de la petite île de Trompetta et on remonte et on va venir jusque ici à Pedi, qui est cette crique ici dedans. Le long de la côte de Simi. Le vent nous a lâché, donc monte. Voici cette crique avec ses falaises vertigineuses. Quand on est au fond, c'est juste incroyable. C'est pas un bateau militaire, non. Pieds et remorque, une petite annexe derrière, et il va aller là-bas au fond.
on approche de la baie de Pédi. Ici, les vagues sont dans tous les sens. Là, le fond de la baie, on aperçoit contre la montagne le village de Simi. Voilà, on approche. Quelques bateaux qui sortent, c'est très bien, ça fait de la place. Voilà, ici, on voit la sortie de la baie de Pédi. Ici, la petite marina de Pédi. On peut se mettre cul à quai avec des pontilles. Maintenant, on va essayer de trouver, de se positionner, jeter l'ancre. Voilà, Pédi, nous allons rester planqués quelques jours. Première fois que nous sommes dans un mouillage aussi bondé. Voilà, petit bistrot sympa à Pendi. Le coup de rouge, nous avons salade grecque, un calamar et des côtelettes d'agneau pour manouloute. Ouais. On va se régaler. Oui, bon appétit. Une autre petite terrasse de l'autre côté de la baie avec un petit mojito. Le bus pour aller à Simi. Et ici, on voit le beau tanker. On sort. C'est parti. Ici, notre annexe. Petite promenade dans le haut de Simi. On est sorti à la station de bus la plus élevée. Là, en bas, on voit Pédi. Où il y a notre bateau. Alors on redescend sur le village de Simi, on s'est un peu perdu. Joli coup d'œil. Et voilà la petite descente. Alors nous on descend, on croise plein de gens qui montent. Ils ont l'air déjà complètement crevés. Voilà le port de Simi. Il y a le gros ferry qui est arrivé à Simi. Et quand il est amarré, il bouge quasiment. Voilà, petit repas à Simi. Voilà, avec des ribs de porc. Ici, c'est des. Un gyros poulet. Son destin là, manger papote. Hey, bonjour maman. Il y a ton petit, il mange les patates. Oui.
ça win un peu à Pedi. De Pedi après 8 jours de stand-by ici, mon petit mouillage. On a une soirée avec des rafales, mais sinon c'était tranquille. Voilà ici notre nouveau petit coin où on aimerait se mettre, pas bien loin hein. Si on regarde, on était là au fond puis on vient là. Mais alors, ça a l'air blindé. On va aller voir. Oh là là, il y a du monde, il y a du monde. Voilà, c'est vraiment entassé, donc on va pas rester bon. Hein. On va ressortir. Bon, la baie est magnifique, mais ouais, trop de monde. On n'a pas envie d'aller s'entasser contre l'autre. Là. Avec la baie de Signy, on voit qu'il y a deux bateaux qui nous pointent dessus. Et on va aller voir sur l'île de Nimos, ce petit coin-là. La ville de Signy là-bas au fond. Et on longe la côte, il y a 2-5 000 vents. Voilà, un petit mouillage tranquille, on n'a pas le nom. Il y a juste un petit pneumatique. Il y a plein de chèvres. Ça nous change de Pedi où on est resté 8 jours. Une superbe eau. Seul au monde avec les chèvres. Il y en a partout. Ce soir dans notre petite baie, on s'est pris une rafale à force 5. Donc on était amarré avec une corde là. Les fonds sont très très pentus et l'ancre a décroché. Donc ça nous tirait de la paroi rocheuse là-bas. Donc marche avant tout, détacher complètement la marche arrière. Et on est venu planter l'ancre passablement en avant là. Mais il faut qu'on surveille si le vent tourne. Prendre le moule ici. Alors en fin de compte, une baie pas si tranquille que ça, enfin une baie pour passer une journée, mais peut-être pas la nuit, mais bon, on va passer la nuit quand même. C'est d'être positif. Voilà, 6h du mat, comme on a dérapé hier et que les fonds tiennent vraiment pas bien, on va quitter cette baie, n'est-ce pas? Un peu endormi. Et on va mettre cap à l'ouest, donc retourner du côté des îles du Dodécanèse. Parce que pendant une semaine, voire deux semaines, il n'y a pas de vent favorable. On a toujours le vent donné et là, il y a 2-3 jours de calme. Donc c'est parti, mon kiki. Lever de soleil sur la Turquie. Voici nouveau l'île de Signy. C'est très très joli. Turc devant nous. Voilà, on est parti de la petite baie ici, on a dérapé et puis on va venir se mettre par là comme première étape.
demain, on viendra contourner la pointe de Kos pour aller ici sur Serimos. On arrive vers le trait rouge, là, à nouveau, dans les eaux territoriales turques. Donc, on va devoir descendre le pavillon grec qui est là-haut et remettre le pavillon turc qui a déjà souffert un peu. Là, il fera encore l'affaire. Hop là. Voilà la côte turque avec le cap qui s'appelle Ince Burun parce qu'il ressemble à un doigt. Un pavillon turc à poste. Et ici, on remonte cette côte sud de la péninsule de Datcha. D'une traite, on avait fait des tout petits bouts pour venir. Ici devant, c'est le village de Palamut. Là, les yachts circulent par là. Paf! Ah non! On approche du bout de la presque, enfin de la péninsule de Datcha. Et là-bas, au fond, là, c'est le site de Knidos. On s'était arrêté il y a maintenant 3 mois. Voilà, ici Knidos. Et nous, on va essayer d'aller là-dedans. On va y voir comment c'est. C'est droit devant. Allez, regardez, il y a un autre petit emplacement. Ça roule pas mal pour l'instant. Voilà, jolie petite baie, mais assez étroite. Donc si on se ramasse des rafales cette nuit, on n'est pas trop sécurisé. Alors on va continuer notre route. Donc ici on est en Turquie. Et on continue notre route et puis ma foi, faire encore 5-6 heures pour arriver à Serimos. Nous voici au bout de la péninsule de Datcha. Avec ce joli phare. Et maintenant, on va bifurquer puis monter direction Kos. Alors, on vient de passer la pointe de la péninsule de Datcha et ici il y a du vent du sud, ce qui n'était absolument pas prévu. Donc, génois. 14 nœuds de vent et on se laisse tirer direction Kos. Là on arrive sur le côté est de la ville de Kos. C'est le côté est de l'île de Kos et naturellement le vent a tourné et donc on a droit dans le pif, donc moteur. Voilà, on approche de l'île de Serimos où on va s'arrêter. Alors ici le vent s'est levé en force 4, 15 nœuds. On est parti à 6h30 ce matin et c'est 16h. Donc on a pu
plus envie de tirer des bons rapports. Là, ce matin, 96% d'humidité dans le bateau. Et il y a une telle rosée. C'est incroyable. Donc, on va profiter de nettoyer, sécher tout le bateau. Ça va enlever un peu le sel. Faire les petits panneaux solaires, les petites fenêtres. C'est trop fraîche. Ce magnifique spectacle. Alors, ce matin, le 23 août, humidité à l'intérieur du bateau. Il y a tout qui est trempé. Magnifique lever de soleil. Par contre, aujourd'hui, temps orageux. Voilà, ici, on est sur cette petite île-là, puis on voit que il y a un orage en approche. Voilà, depuis le 24 avril, donc on est aujourd'hui le 24 août, ça fait mai, juin, juillet, août, ça fait 4 mois qu'on n'avait pas eu de pluie. Et aujourd'hui c'est reparti avec un peu de pluie, un temps un peu orageux. Voilà ce qu'on a déjà récupéré en un jour dans la baie de Psérimos. Des tacos, un bout de bâche, un joli seau et un bidon foutu. Pour l'instant, les orages nous tournent autour. On touche du bois. Voilà, ça a bien pété là-bas, au large de Kos. Et ici, on y aura peut-être droit. Pour l'instant, la foudre tombe à 4 km. Psérimos. On va contourner l'île et puis voir si on trouve une petite baie par là derrière. La sortie de la baie de l'île de Psérimos, et on va faire le tour de la pointe et on va venir voir ici derrière. On va avoir un mouillage sympa. Voilà un très gros drapeau grec dessiné de la roche. Le Odysseys of the Seas. Plus de 5000 passagers, 1600 hommes d'équipage. Et ça pollue à peine. Hein. Aujourd'hui, 25 août, amarré dans la Zephyr Bay, selon le site Nambili. Petite baie au sud de Psérimos. Donc hier on était juste là derrière. Enfin, ce matin. Et puis là l'île de Kos. Et comme vous pouvez l'entendre, on fabrique de l'eau douce.
26 août, départ de cette baie sud de Psellimos. On va refaire environ 4000. On va aller sur une petite île qui est sur le côté Psellimos. Là, c'est 8h moins quart. La météo annonce en tout cas 5 jours avec peu de vent, environ 10 nœuds avec des pointes à 15. Donc on est parti d'ici et on va contourner cette île qui s'appelle l'île Platie, puis on va venir de cette baie ici là. Et si c'est trop houleux, on fait le tour, on viendra se mettre ici. On approche la petite île de Platie. Sous le vent, il y a déjà des bateaux au mouillage. Et là, il y a déjà ces bateaux pirates touristes qui nous tracent après. Ici et voilà le coup d'œil. Des magnifiques enrochements qui sortent de l'eau. Voici amarré dans cette petite baie sur l'île de Platie. Alors il y a de la houle qui rentre. Donc on va attendre un moment, voir comment ça se passe. Allez, on va aller voir de l'autre côté de l'île. Ça n'a pas l'air bien large. Ah ben là, on dirait qu'il y a des gens qui viennent mettre les déchets qu'ils trouvent sur la plage. C'est désolant. Là, on s'éclaire de ce côté là, on a un peu de vagues, on est tout seul, c'est un choix. Et ici, il y a du monde, ce côté là, voilà l'ambiance de l'autre côté de l'île. Les plastiques, c'est du plastique et du plastique et du sagex, c'est de la mousse. Et naturellement des filets de pêche qui sont mortels pour les mammifères marins. Et là, si on regarde un bout de mousse, mais si on regarde
plastique. Voilà, joli coucher de soleil sur l'île de Kalymnos. Ce magnifique coucher de soleil sur Kalymnos, ma petite femme m'a concocté un bon bout de bœuf. Un filet de bœuf. Filet de bœuf avec une sauce café de Paris maison, une petite patate rôtie. Bravo mon chef. Voilà, on y récupère ce bout de sagex au moins. Voilà, c'est parti. Alors, opération récupération au large. Un, deux bouts de sagex. Un emballage de bouteilles en plastique, un gobelet en plastique et un petit produit biodégradable. À tout ça en train de dériver sur la plage. C'est des peanuts, mais voilà quoi. Voilà, on est parti de la petite baie ici et là on va remonter la côte de Kalymnos et on va venir ici dedans là. Voilà, pendant la nave, petit contrôle à l'intérieur régulier tous les 20 minutes. Voilà, là on tire 30 ampères. Des salles qui tournent et l'alternateur charge 50-80 ampères. Arrivé au fond de la baie de Pandionizo sur l'île de Kalymnos. Et ici on voit plein de bateaux sur des bouées. On a déjà préparé un crochet. Et on rentre gentiment parce qu'on fait encore de l'eau pour profiter du moteur qui permet de charger en même temps. On n'a pas trop besoin, mais on arrive à la bouée. On a le coup d'œil. Voilà, petite soirée tranquille ici. On va pouvoir dormir sur nos deux oreilles. Vu qu'on est amarré sur des bouées, puis qu'elles tiennent. Ah.
Et demain, on ira manger à la taverne. Voilà, ici c'est plein. Il y a des bateaux qui sont mis au mouillage derrière, mais avec des grosses profondeurs d'une vingtaine de mètres. Et le soleil s'est couché. Les pirates dans la baie. La baie ici avec les bouées, c'est la troisième fois qu'on vient. Et toujours dans le même restaurant. C'est nickel, on a testé l'autre. Mais on préfère celui-là.